Attention, les stations en fréquence pour le QSO national de Canal 27 avec le forum Les Ondes du Routier. Les bonnes sur 1351 à vous tous de la part de Dandy 33. Ok Eric, eh bien, ben oui, on s'est vu tout à l'heure. Alors, as-tu pu les revoir à nouveau, les tannants en fréquence? Oui, après le QSO de tout à l'heure sur le 27-620, de cet après-midi sur le 27-625 avec les tannants, avec le Québec, as-tu pu les avoir à nouveau en fréquence? Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai pas repris le micro, mais je suis resté derrière jusqu'au bout, jusqu'à temps de plus les entendre. Voilà, voilà. Bon, entre parenthèses, te faire un compliment parce que tu passes vraiment mieux que d'habitude. Je sais pas ce que tu as fait de ton côté, mais franchement, c'est très très correct, super bien. Eh bien, simplement changer la grosseur des fils d'alimentation. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Je suis passé à quelque chose de plus gros. Voilà, rien de plus. Donc, après le dernier QSO, là où il y a eu un... avec cette station où il y a eu un couac, je me suis retrouvé la station complètement coupée, hors circuit. j'ai démonté là, mon voltmètre ampèremètre. Effectivement, c'était bien l'ampèremètre qui avait lâché. Quoi de plus normal, il n'était pas assez costaud pour tenir la route. Donc j'en ai profité pour refaire le câblage, pour mettre une plus grosse section. Voilà, tout simplement. Et résultat, pour avoir la même puissance, il a fallu que je baisse le scarabée doré de deux crans, voilà, pour revenir exactement à la même puissance. Comme quoi, tu vois, c'est le diamètre du câble d'alimentation est vachement important si on veut que ça fonctionne correctement. Affirmatif, oui, mais disons que tu lui as donné maintenant la puissance qu'il avait besoin alors qu'il n'avait pas au début, quoi, voilà. Je pense qu'il y a du monde qui va parler sur le forum. Je te laisse mettre des lieux et puis tout ça, vas-y à toi, Rémi. Ok, eh bien, sur le forum, il y a justement Cédric, voilà, ben, qu'on a entendu tout à l'heure. Il a fait une petite vidéo, voilà, il l'a mis en ligne. Ok, Cédric, 2351 à toi, je ne sais pas si tu me copies. Les amitiés de 14 Victoire Eco 27, l'opérateur Eric, 14 ODR 027, voilà. Allez, je te retourne le micro, Cédric, si tu es là. Non, excuse-moi, je me suis mal expliqué. Tout faux. Sur le chat du forum, voilà, sur le chat du forum, il y a Cédric là qui vient d'arriver dessus. Et il vient de nous mettre justement sa petite vidéo de cet après-midi. Donc ça confirmera ou pas si c'est bien lui qu'on a entendu là un petit peu la discuter avec Gilles. Ok, d'accord. Pas de soucis. J'avais pas bien compris. D'accord. Autant pour moi. Ah, c'est de ma faute, j'avais qu'à mieux m'expliquer. Bon allez, voyons s'il y a d'autres... je suis le capitaine de personne, moi, de moi-même. De mon casse-croûte, c'est tout, hein. Ah, chie. Bon allez, voyons s'il y a d'autres personnes en fréquence. Peut-être Chameau, je sais pas. Enfin bon, bref, les stations stand-by. Ah oui, pour ceux qui voudraient rentrer dans le QSO, cette première demi-heure est filmée pour motiver comme ça à chaque fois les autres stations à participer au QSO. Et puis après, la suite hors vidéo. Voilà, pour demain soir, je pense pouvoir être là aussi. Allez, voyons s'il y a du monde en fréquence qui veut rentrer dans le QSO.
Je sens qu'il va falloir demander aux gens de prendre un ticket, parce que là, ça se bouscule. Ils sont encore peut-être au gastro solide liquide, voilà. Juste une petite question. Chameau, il est de quel côté, lui, par rapport à toi? Il est plus vers le nord ou plus vers le sud? Ni l'un ni l'autre. Il est plus vers le... Ah oui, c'est vrai, il vient de déménager. Voilà, donc maintenant, il est plus vers est-sud-est. Voilà, il s'est rapproché du département 24. Eh bien, avant, il était sur Sainte-Terre, avant. Voilà. Maintenant, il s'est éloigné. Il doit être à peu près à la même hauteur. Mais en se rapprochant davantage du 24, pratiquement sur pas loin des bords de Garonne, juste en dessous. Des bords de Dordogne, pardon. Des bords de Dordogne, excuse. C'est pour le situer avec Google, voir si je me retourne avec la directive sur lui pour voir si je peux l'entendre. Côté Bergerac, Marmande, c'est quoi? Ah, d'accord, ok, je vois. Eh bien, tu tires direct sur Bergerac. Ouais, ça devrait être ça. Bergerac étant un poil plus bas, tu l'auras, oui. Ok, parce que pour moi, Bergerac, c'est plein l'est, hein. Plein Est, en remontant un petit peu. Alors, moi je dis par rapport à moi, par rapport à mon cura, moi vers le rat que c'est plein Est. Ah d'accord. Ouais, bon, ben plein Est. Ok. Il me faudrait une carte. Alors, ouais, bon, celle-là c'est la carte des départements, j'ai rien dessus. Alors, attends, voilà. J'ai la carte de la région sous les yeux. Donc, toi, voilà. Ok, tu es là. Ah oui, génial. Il me marque sur la carte Périgueux. Attends, voilà, que je vois bien. Donc, toi, tu es juste là, en dessous, au sud de Bordeaux. Périgueux est perché là-haut. Bergerac. Ah oui, d'accord, ok, ça y est. J'ai Bergerac là, en dessous, mon pouce. Il faut que tu remontes un petit peu. Il faut que tu tires entre Libourne et Bergerac. Ouais, d'accord. Mais c'est très très vaste ce que tu m'as dit. Eh ben oui, je comprends bien, quoi. Plein Est, et tu remontes juste un poil. Alors moi, je peux dire, je demande pas la ville où il est, mais moi je suis à Villeneuve-d'Ornon, c'est grave, Villeneuve-d'Ornon, je ne veux pas le cacher, quoi, voilà. Je veux dire, si je tire entre les deux, j'ai mes sidans, j'ai mon pauvre cholestérol, j'en ai un paquet, hein. Ouais, ben oui. J'ai pas de nom en tête. Alors, voilà, mon YK me dit, c'est du côté de Mouliès-Villemartin. Voilà, c'est la même direction. Non, parce que honnêtement, j'ai pas le nom sur le village en tête. Mouliès. Ah, alors, Floujag. Alors, F-L-A-U-J-A-G-U-S. I-E-S. Oui, bon, d'accord. Floujag. Floujag. C'est bon, je te remercie. Le QSP est plus dur à faire du canapé à la station qu'après de la station à chez toi. Merci beaucoup, Fabienne. La voix des ondes te retourne ça. Ça va vite. Elle te retourne à 88. Bon alors, voyons ça, chameau ou peu importe, est-ce qu'il y a quelqu'un en fréquence pour le QSO national de Canal 27, les 913-51 vous tous, de la part de 14 ODR 027, 14 27 Bordeaux Sud,
et moi-même 14 ODR 002, je ne sais même plus mon indicatif, opérateur Rémi sur le secteur de Sainte-Colombe. Oui, 040, les 913-51 à la station. J'ai juste entendu 040 à la fin. Les 913-51, voilà, de la part de Dandy 33, 14 ODR 002, en station fixe sur Sainte-Colombe, 12 km à l'est de Saint-Émilion. Alors, retour des micros du côté de Eric, 14 Victor Eco 27, 14 ODR 027, qui lui est sur Bordeaux Sud. Merci pour le retour de micro, j'ai pas entendu le nom de l'opérateur, mais les invités de 14 Victor Eco 27, l'opérateur Eric sur le sud de Bordeaux, village d'Orlan, bonjour. Ouais, ok Eric, c'est Jérôme là, c'est toi qui m'as dit de passer sur la fréquence, ok, tu te ramènes cet après-midi là. Ok Jérôme, 14 Kilo Yankee 040, si ma mémoire est bonne. Jérôme, tu nous rappelles ton QTH, s'il te plaît. Ah, le QTH, c'est Cazebon, à côté de Cazebon, dans le 32, mais limite Gers-Lande. Ok, à la limite du Gers et des Landes. Ok, mais ça passe très très bien de mon côté, voilà. Je fais un retour micro sur Rémi, à toi Rémi. Ok, bon, j'ai bien pris note, j'ai remonté un peu le volume. Ce qui fait que là, ce coup-ci, je l'ai bien sorti, les 213-51, retourné de la soirée. J'étais aussi cet après-midi là sur le QSO là, des Tannans, là, le 27-625. Ah, ça passait bien. Là, il y avait vraiment une bonne propague. Hein. C'était du téléphone. Hein. Ah oui, parce que cet après-midi, là, j'étais absolument pas du tout entendu, hein. D'autant plus que de mon côté, j'avais quoi? J'avais 5 points de QRM, et rien n'était passé. 4-5 points, oui, c'est ça, oui, rien n'était passé. Hein. Oui, ça je confirme. C'est vrai que là c'était short. Hein. Ben ouais, ben moi c'est pareil. Au début j'ai préféré attendre pour ensuite pouvoir faire un QSO plus propre quand même. Ah ben j'ai le même report là de mon côté. Attends, redonne-moi ton indicatif, là j'ai du coup à parler, j'ai un petit peu zappé. C'est 14 Yankee 040, mais j'ai loupé la première lettre. Ouais, 14 Kilo Yankee 040, Kilo Yankee 040, l'opérateur Jérôme, voilà. Ok, d'accord Jérôme. Oui, pour t'expliquer, je suis en même temps en interaction avec... qu'est-ce que j'ai mis 14 Kilo Yankee 040. Voilà, je suis en même temps en interaction avec le forum Les Ondes du Routier, Facebook, et au fil de l'eau, comme ça, je donne un petit peu des news au niveau des stations qui rentrent dans le QSO, et par la même occasion, une petite vidéo suivra. Quoi. Mais pas ce soir, demain je suis pas sûr non plus. Ok, ok. J'ai eu Eric cet après-midi, il m'a dit ça, mais vu que j'ai pas internet, j'ai pas pu aller voir sur le forum des routiers ou un truc comme ça. Là, j'ai pas internet à la maison, je suis en zone blanche, donc je peux pas avoir internet, donc voilà. Donc voilà, je suis venu faire un petit tour à la vitesse. Voilà.
Ah oui, d'accord, ok. Eh bien, ça a l'air d'être un petit peu le désir. Alors que nous, de notre côté, il y a quand même pas mal de stations, mais surtout en BLU. Bon, il y a un peu d'activité en AM aussi. Le matin en AM, c'est très tôt, voire juste au lever du jour, et encore bon, aux environs de 6 heures par là, 7 heures, voire 8 heures. Puis après, avec l'arrivée des QRM, de la Propag, bon, on les entend moins. Et c'est les stations BLU qui reprennent le relais, quoi, on va dire. Ok, ok, pas de problème. Un retour de micro, Eric. Ok, 100% Christel, voilà, y a pas de souci. Je vous entends bien, très très bien tous les deux. Ça passe fort et clair, je dirais, voilà. On va laisser peut-être un petit blanc pour voir si des fois il y aurait d'autres stations qui seraient en stand-by. Voilà, alors en avant les stations, si quelqu'un veut rentrer dans le cuisseau. Non, moi c'est pareil. Est-ce qu'il y a des stations en fréquence pour le QSO national du canal 27 là, pour le... Et en avant les stations, j'ai trop parlé cet après-midi, du coup j'en bafouille ce soir, hachi. Maintenant que j'y pense, Eric, il y a aussi les vacances, donc ça fait moins de monde en fréquence. C'est vrai que c'est les vacances aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Si, voilà. Oui, oui, oui. Ben, apparemment, le chameau est pas à l'écoute ce soir, alors. A priori, non. Attention, chameau pour le groupe, es-tu en fréquence? Attends, j'ai entendu quelque chose. Attention, chameau pour le groupe, es-tu en fréquence? Non, c'est de la propague. C'est de la propague, ça veut des Espagnols. Allez, parce que je me suis mis en horizontal, là, wow, j'entendais les stations étrangères, là. Ouais, ouais, je croyais l'entendre derrière, je me suis un petit peu décalé pour voir. Non, 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 ce soir on est que tous les trois apparemment. Ok, le retour à toi, retour au micro, Jérôme. Ouais, ok, ok. Ouais, ben déjà il n'y a pas de QRM, c'est même sur Triple 5. Là, il n'y a pas longtemps que je suis arrivé, là j'ai allumé. Sur Triple 5, c'est calme, c'est pas la cacophonie là comme cet après-midi là, c'était impressionnant cet après-midi. Il y avait le nord de France qui passait, il y avait plein de divisions qui passaient là. J'ai fait la Roumanie, j'ai fait la 185 aussi, la Guadeloupe, j'ai fait la 173. J'ai fait pas mal de contacts, hein, même avec des stations du nord de France. Là, je crois que j'ai fait 20 ou 25 contacts là, le temps que je suis resté en fréquence là, quand vous m'aviez entendu là, voilà. Ok Jérôme, tu peux me dire si c'est pas indiscret de quel côté tu es, après, du côté de Martiac et tout ça, Mirand, ou si c'est pas par là? Ah non, non, Casaubon même, Barboton et Terme, Casaubon. Un petit village qui s'appelle Marquesto, Mike Alpha, Romeo, Golf, Uniforme, Eco Sierra, Tango, Alpha, Uniforme. Voilà, Marquesto, un petit village de 70 habitants, là, voilà. Marquesto, c'est ça? Ah, Marquesto, AU à la ferme, Alpha, Uniforme à la ferme. Ok, d'accord, je regarde ça sur Google. Ok, je retourne le micro à Rémi.
Ok, tu te trouves. Ah oui, c'est du côté 40-47 au niveau du département. 40-32. Je suis à 45 km de la ville de Mont-de-Marsan et 70 km de la ville de Loches. D'accord, non, parce que c'est bien la première fois que j'attrape une station de ce côté-là. Ok, je suis la seule station dans le coin là. Non, je rigole. J'ai mon frère là qui est sur le 40, pas très loin, à une dizaine de kilomètres de chez moi là. Une grosse station, ça fait 25 ans, quelque chose comme ça, qui fait de la radio. Hein. Mais bon, lui, il chasse plutôt toutes les divisions là, voilà. Ouais, ben ça doit être vachement intéressant quand même. Mais il y a intérêt à être multilingue, hein, parce que là, c'est sportif. Hein. Ouais, déjà, parler anglais, déjà, ça aide beaucoup, quoi. Ah, c'est sûr, oui. Déjà là, quand j'ai entendu là, ce que t'as fait là aujourd'hui, j'ai halluciné. Là, t'as pas perdu ton temps, toi. Hein. Non, j'ai marqué les horaires, hein, 12h45, 13h11, après 13h25, 13h17, 13h39, 13h45, 13h50, 13h55. j'ai pas trop 14h05, 15h, après il y a le petit blanc de 14h05 à 15h, là j'ai dû aller boire un café, un truc comme ça. Voilà, 15h, 15h15, ouais, tous les 10 minutes, un quart d'heure à peu près, j'avais une nouvelle station, là. C'était bien, j'aimais bien ça, ça fait comme quand il y a la propagation d'été, là, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que je vois là, à chaque fois durant l'été, on voit des expéditions qui se font là de tous les côtés. C'est bien, c'est sûr, la température est là et tout, c'est vachement agréable. Mais les vrais contacts, c'est vraiment avec la propagation hiver qu'on peut les faire. Et tant pis, hein, il suffit de se couvrir un peu plus et puis en avant, hein, pour ceux qui veulent faire des expéditions. Hein. Et là, justement, là, pour le moment, je suis en train d'économiser un peu là, pour pouvoir m'acheter un petit groupe électrogène, un maxi 3 kilos, quoi. 3 kilowatts, je veux dire. Et j'ai bien l'intention de recommencer comme les années précédentes, repartir sur la côte avec ma remorque, l'antenne de planter dedans, et puis en avant-roule. Hein. Donc voilà. Ouais, j'ai remarqué, oui. Là, depuis un moment, les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas de propague. Maintenant, on l'a. Alors, qu'on ne vienne plus les entendre, ceux-là. Ben, trois coups. Est-ce qu'ils ont râlé encore? Bonjour, messieurs. S73, Jean-Paul. Voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo, là, eh ben, il reste encore 5 minutes de vidéo, juste à peine, 4 minutes même. Voilà, les 93 Jean-Paul. Ouais, on parlait justement des stations qui, comme ça, en guise d'anecdote, hein, qui se plaignaient là, durant tout l'été, là, qu'il n'y avait pas de propague, rien. Là, pour le coup, on l'a, la propague, et on l'a comme il faut, parce que c'est vrai que j'ai pu me mettre en fréquence là que cet après-midi, et c'est vrai que ça n'a pas été triste. Comment vas-tu, Jean-Paul? Ok. Ok, bonsoir à tout le monde, je ne sais pas qui c'est qui est, hein. J'arrive juste, hein. J'y pensais juste maintenant. La propague, oui, il y en a, mais enfin, c'est pas tellement mirobolant comme il y a 2-3 jours. Hein. Il y a 2-3 jours, on avait de la propagation, mais nette, claire, en directive, on pouvait discuter un peu partout, au Canada, un peu partout. Et même en Nouvelle-Calédonie, et puis là la propagation a dit, hein, ça c'est sûr qu'elle y est, mais un peu trop, puisqu'on ne peut pas placer un mot sans qu'il y ait 10 personnes un peu autour, et c'est un peu gênant. Mais enfin bon, ceci n'explique pas cela, donc le principal c'est qu'il y ait du monde, et que ma foi, si on sait parler plusieurs langues, ça peut être intéressant. Voilà, lundi, bonjour, 73, les amitiés au QRA, et puis bonjour à vous tous, et les bonnes amitiés au QRA, bien sûr. Retour à toi, lundi.
Ok, eh bien, il y a avec moi dans le QSO Eric, 14 Victor Echo 27, et Jérôme, 14 Kilo Yankee 040, qui lui est du côté du département 4032. Jérôme, retour de micro sur toi pour Jean-Paul qui est sur le secteur de Saint-Émilion. Ok, Jean-Paul, 73, voilà, moi je t'entends, signal 3, radio 4-5, ça passe, c'est impeccable, en plus il n'y a pas de QRM, il n'y a rien, il n'y a plus de propague, ou alors la propague est liée, mais c'est calme, voilà, pas comme cet après-midi, c'était le gros bordel, voilà, mais bon, Jean-Paul, ici 14 kilos Yankee 040, l'opérateur Jérôme. Voilà, le QTH département 40, limite 40-32 là. Voilà, voilà. Retour Jean-Paul, j'espère que tu m'entends. Oui, oui, pas de problème. Radio 5, signal, je regarde pas. Radio 5, donc très très bonne radio. Voilà, donc aucun problème, les bonnes 73 à toi, et puis les amitiés à ton cuir familial, et puis tu m'as dit aussi qu'il y avait Eric. Donc Eric, avec les bonnes 73, j'ai pas l'occasion de te copier le matin, je vois le trop tard. Donc retour à toi le micro, Eric. Ok Jean-Paul, 73-51, j'espère que tu vas bien aussi. Voilà, il n'y a pas de soucis, ça passe très très bien. Ce soir, ça fait plaisir, on entend un petit peu tout le monde, voilà. Même Jérôme qui le peut, elle nous, voilà, ça passe très très bien, voilà. Super. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, c'est vrai qu'il y a des vacances, donc apparemment, il y a un petit peu moins de monde sur le QSO avec nous du vendredi soir. Mais bon, ça va revenir avec la propagation, ça va les faire sortir, voilà. Allez, retour à toi, Rémi. Ok, tu me renvoies le micro, Jean-Paul vient d'arriver, je vais lui donner la priorité justement. Jean-Paul, as-tu fait quelques bons contacts là? Tu les as énumérés. Aujourd'hui, as-tu fait de bons contacts malgré, c'est vrai que c'était un peu la cacophonie quoi. Aujourd'hui, j'ai pas fait de bon contact. je dirais que j'en ai pas fait du tout même, parce que j'ai fui un petit peu tout le bruitage qu'il y avait. Hein. Donc j'en ai pas fait. Voilà, j'ai fait de l'écoute comme tous les jours mon poste est arrivé. On a discuté entre collègues un peu autour, hein, mais... Et bonne 73-51 à vous tous, et à bientôt sur les ondes, nous on continue le QSO.